avec la destruction du mur de Berlin, l'un des signes ou des espaces de l'exclusion disparaît. Je ne porte aucun intérêt au mur par lui-même, mais l'entre deux murs à cette zone interdite, ce no man's land, signifiant la lune de rupture entre les deux systèmes économiques et politiques. Il matérialisait les interdits appelés au désir, aux rêves et aux idéaux les plus insensés. Ma patrie fut ce no man's land. À tout jamais, la zone interdite sera diluée et parsemée.